Il y a 900 ans environ, un chevalier français fonde l'ordre des Templiers. Il lui confie pour mission de protéger des lieux considérés comme saints par les chrétiens en Orient. 200 ans plus tard, le roi de France Philippe le Bel, pourtant surnommé roi très chrétien, fait emprisonner tous les Templiers de son royaume. Que s'est-il passé ? Comment expliquer que tous les Templiers, notamment ceux du Périgord, aient été arrêtés ? Et puis pourquoi le nom de cet ordre religieux reste-t-il encore aujourd'hui enveloppé de tant de mystères ?